Hello les chansolozologues, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve sur Yazacraft, voilà, un serveur qui va pas tarder à ouvrir puisqu'il ouvre le 21, voilà. C'est très 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 bientôt. Donc je suis content de vous le montrer puisque c'est un serveur qui me tient tout particulièrement à cœur puisque j'ai eu l'occasion déjà de bosser un petit peu dessus en tant que graphiste pour quelque chose, puis tout simplement c'est un serveur vraiment ouf, hein, comme vous pouvez le voir déjà là. Les builds, ils sont juste magnifiques. Vous avez, là, c'est le prison. C'est juste énorme ce qu'ils ont fait, les builders. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fou, hein, déjà. D'ailleurs, j'aurais peut-être l'occasion de vous faire une petite série en Skyblock dessus, si ça vous intéresse. Ça pourrait être assez intéressant de faire quelque chose avec les abonnés, où genre tout le monde se ramènerait un petit peu sur l'île pour build un petit peu tout ça. Voilà, faudra voir si c'est pas trop le bordel à organiser, mais ça pourrait être drôle à faire. Donc du coup là on se retrouve comme je vous l'ai dit sur le prison, donc il n'y a pas vraiment grand chose à vous dire, hein, puisque je préfère vous laisser vous-même découvrir sur le serveur, hein, puisque vous pouvez voir, donc vous avez plein de warps. Et voilà, donc ça va nous TP ici, donc vous aurez un petit peu le principe d'un prison, hein, qui est donc de miner pour obtenir de l'argent et progresser dans le jeu. Donc voilà, moi j'ai pas encore vraiment commencé, mais franchement au niveau des maps vous avez quelque chose de magnifique, hein. Vous allez pouvoir voir, si par exemple je vais dans ce coin-là par exemple, vous avez quelque chose juste de oufissime, hein. C'est vraiment magnifique, moi je trouve, avec les petits nénuphars et tout ça. Si on prend un petit look de plus haut, non j'étais déjà en flag, voilà. Si on prend un petit look un peu plus sympathique par là, franchement, c'est juste ouf. Hein. Et puis vous en avez d'autres de warp. Vous avez par exemple celui-ci qui est aussi très très beau. Ils sont tous magnifiques à regarder. Putain, j'adore ça. Ensuite, vous n'avez pas que ça, hein, puisque vous avez un skyblock, donc comme je vous en avais parlé, un survival et un PvP faction. Sur le skyblock, donc vous avez votre île, etc. D'ailleurs, je vais manger ici parce que sinon. Je vais pas tarder à mourir moi. Hop. Donc sur notre cher Skyblock, vous avez votre petite île, donc qui va ressembler à ça. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose avec les abonnés, puisqu'il y a quand même pas mal de place pour build là-dessus et tout. Hop, oh mince, j'ai. Bon, tant pis. Bref, vous avez pas mal de place pour build et tout ça là-dedans. Donc ça peut être aussi très très intéressant de se développer là-dessus. Vous avez plein plein de choses à faire sur ce Skyblock, vraiment. C'est quelque chose de oufissime. Oh. Oh là là. Bon bah voilà, bref, bon c'est pas grave, on est mort, de toute façon on avait rien sur nous, donc on ne rate pas grand chose. Ensuite vous avez un petit PVP faction, voilà, donc là on se retrouve sur le faction, hein, comme vous pouvez le voir c'est encore un truc géant au niveau du spawn, hein, donc là pour l'instant c'est la nuit, mais vous verrez de plus de jour, hein, quand vous passerez là-bas, c'est encore plus amazing, j'ai envie de vous dire. Donc normalement quand vous allez spawn avec un full set en fer, avec une épée en fer et tout. Bon, moi évidemment avec mon talent en faction, on va le dire, j'ai déjà réussi à les paumer, mais voilà, c'est pas vraiment mon fort le faction. Donc si vous me cherchez, je serai probablement plus au niveau du Skyblock, hein, quand je serai connecté, et je le serai souvent, hein, normalement, il n'y a pas de raison pour que je ne le sois pas. De plus, si on fait une série en Skyblock, je serai très très certainement connecté. Ici, vous avez aussi des coffres, donc comme sur tous les modes de jeu, qui vont vous rapporter du stuff. Donc, comme vous pouvez le voir, ici il y en a. Bon, j'en avais avant, mais avec le stuff faire, je les ai aussi perdus. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas doué en faction, mais bon, vous débutant ou une pro du faction, ça pourra très certainement vous plaire. Donc, pour s'initier ou même pour continuer le faction, c'est parfait. Pour ce qui est du survival, c'est pas encore très très près, hein, mais ça va vraiment arriver, c'est déjà en cours de développement et tout. Et tout ce qui est des machines et tout ça, c'est vraiment nickel, franchement. Vous pouvez être jusqu'à je sais pas combien de connectés, ça a jamais lag. Donc pour l'instant, il y a 250 slots sur tout le serveur, mais genre si vous êtes 9000 de connectés, de ce que m'avait dit le créateur, ils ont fait des tests avec des bots, disons. Bah, tout marchait hyper bien, donc franchement, il y a vraiment aucun lag. Donc, si jamais il venait à y avoir du lag, hein, ça pourrait être éventuellement votre connexion, chose qui est pour moi fréquente. Mais là, même là, j'ai 5 barres, donc c'est des serveurs français et tout. Donc, c'est parfait. Moi qui lag d'habitude, là, franchement, je lag pas, donc c'est nickel.
Ensuite, pour ce qui est du site aussi, hein, parce qu'il faut savoir qu'ils ont un site qui est franchement kiffant, moi je trouve. Il est juste nickel, il est hyper fluide, il y a 8 Go de RAM alloués à ça. Franchement, c'est juste énorme, 8 Go de RAM pour un site. Il y en a, il y a des serveurs, ils foutent 8 Go de RAM, mais pour le serveur et pas pour le site. Donc là, dites-vous que vraiment 8 Go de RAM pour un site, c'est juste un truc de gros malade. Et donc, c'est un serveur qui tourne hyper bien. Moi, je vous laisse avec le trailer, voilà, pour vous faire encore un petit peu rêver. Je compte sur vous pour vous connecter parce que ce serveur, vraiment, il le mérite. C'est un projet qui a pris des années à être fait, des milliers d'euros et tout ça qui sont là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose de fou dingue. Donc vraiment, je vous invite à vous connecter. C'est quelque chose de gros malade. Donc moi, je vous laisse avec le trailer. Je vous souhaite de bien vous porter pour l'instant de votre journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Léo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.